l'histoire. D'un monstre. Celui-ci s'appelle Tentacule. Vous voyez ces tentacules? Moi, c'est ça. Lui, ses grandes dents. Parce qu'il a des grandes dents. Et celui-ci, ses grands yeux. Tu vois ses grands yeux? Alors, ces trois monstres veulent partir en voyage. Pour se déplacer, ils utilisent un tapis. Et voici un tapis. Il y a une place pour grands yeux, une place pour grandes dents. Oh oh, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour tentacules. Mais ça ne va pas. Les monstres ne sont pas contents, ils se disputent. Ils ne peuvent pas partir en voyage. Ça ne va pas, alors je l'enlève. Voici un autre tapis. Une place pour grandes dents. Ensuite, une place pour grands yeux. Une place pour tentacules. Oh, regardez! Il y a une place où il n'y a personne. Tous les monstres la veulent, cette place-là. Alors, ils se disputent. Ça ne va pas. Ils ne peuvent pas partir en voyage. Alors, les enfants, votre travail aujourd'hui, ça va être de trouver le tapis pour que les monstres puissent partir en voyage, tous ensemble. D'accord ? Allez, je place deux tapis sur la table. Tu veux commencer, Véli? Alors, tu regardes. Regarde, je vais les mettre devant toi. Quel tapis tu veux prendre pour tes monstres? Celui-ci? Allez, vas-y, tu essayes. On regarde. Une place pour grands yeux. Une place pour grandes dents. Et une place pour tentacules. Qu'est-ce qui se passe, Véli? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Oui. Chacun a une place? Oui. Oui, il y a juste assez de place pour les monstres. Et oui, et ils peuvent partir en voyage. Super. Allez, on change. Adania, je pose des tapis. Vous regardez bien. Allez, choisis un tapis pour emmener tes monstres en voyage. Tu prends celui-ci? Alors vas-y, prends-le vers toi et on retourne. Tu nous expliques ce que tu fais? Vas-y. Une place pour tentacules. Une place pour grandes dents. Oui. Une place pour grands yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Véli? Dania? Et les autres, regardez. Pardon? Il en manque un. Ils sont tous à leur place, les monstres. Et il y a une place en trop. Est-ce qu'ils sont contents? Non. Bah non, ça ne va pas. Ils ne peuvent pas partir. Ça ne va pas. Non. Tu as raison, Bastien. Il y en a une en trop. Une place en trop. Allez, on change. On va mettre les monstres à côté. Et voici les tapis. Bastien, tu choisis celui qui convient. Celui-ci? Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu fais? Grandes dents? Grand monstre?
ses grands yeux. Tentacules. Il n'y a plus de place. Maintenant, ils peuvent partir. C'est ce que tu as dit? Oui, pourquoi ils peuvent partir, Ager? Ou Dania, si tu veux. Il y a un petit bateau. Comme un petit bateau. Ils peuvent partir en voyage. Chaque monstre a une place. Il y en a juste assez. Juste assez pour les monstres. Et encore un. Qu'est-ce qu'il se passe, Ager? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place? Dis-nous, qu'est-ce que tu vois sur, sur ton tapis? Il y a de la, il y a une place pour tout le monde, oui. Pour tous les monstres. Ils oui. Voyage. Ils peuvent partir en voyage. Super. Tout le monde a envie de refaire. Allez, je repropose les deux tapis. Attention, recule-toi. Hop. On réfléchit. On essaye de choisir. Toi, tu voudrais essayer celui-ci. D'accord. Prends le vers toi. Allez, vas-y. On te regarde. Une place pour tentacule. Une place pour grandes dents. Une place pour grands yeux. Oh, pourquoi ça ne va pas? Il n'y a pas les tout seul. Parce qu'il y a une place vide. Eh oui, ça ne va pas. Et regarde, si tu le mets ici, ce monstre, il y en a encore une de vide. Ça ne va toujours pas. Il faut trouver le tapis où il y a juste assez de place. On va demander à Dania. Quel est le tapis que tu veux? Pourquoi? Pourquoi tu voudrais celui-ci? Pourquoi pas celui-là? Tu veux prendre celui-là? En fait, parce que je te l'ai dit, tu sais pas trop. Et toi, Bastien? Tu essayes celui-ci? On essaye? On voit si ça fonctionne? Et après, Dania, je te le donne. Il y a deux places. Il y a deux places? Est-ce que ça va aller pour les monstres? Non. Ça veut pas beaucoup de place. Deux. Il n'y a pas beaucoup de place, il y en a deux. Mais on a combien de monstres? Partir en voyage parce que t'entends. Et pourquoi elle ne peut pas partir en voyage? Parce qu'il faut une autre place. Bastien, tu nous as dit qu'il y avait deux places. Mais nous avons combien de monstres? Il y en a combien des monstres? On va les compter ensemble? Un. Et encore un, ça fait deux. Et encore un, ça fait trois. Il y a trois monstres. Oui. Et sur ce tapis, Bastien nous a dit qu'il y avait deux places. Alors ça ne va pas. Il en manque une. Oh, doucement, doucement. Attendez, je vais vous en donner un autre. Allez, j'enlève les monstres. Et je place les tapis. Celui-ci. Celui-là, ou bien celui-là. Dania, t'as une idée? Tu voudrais lequel? Regarde bien tous les tapis. Prends celui qui t'intéresse. Tu penses que sur ce tapis, il y a assez de place pour les trois monstres? Oui. Trois monstres? Allez, tu essayes. Et non, ça pas. Il faut un autre. Allez, un. Et encore un, ça fait deux. Et encore un, ça fait trois. Oh, ils peuvent partir? Oui. Parce qu'il y a juste assez de place. Oups, ils peuvent partir en voyage. C'est tombé. Regarde, Ager, elle ne peut pas voir Bastien. Tu vois?